Salut à toi, c'est Kevin de Apprendre le Step. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la forme. Je sais qu'en ce moment, c'est difficile de faire du sport chez soi. Alors aujourd'hui, je vais te contacter une séance step sans step. T'as vu? Je me suis préparé des petits élastiques. J'ai créé un petit rectangle, comme ça, je me suis amusé. Tu n'es pas obligé de faire comme ça, tu peux aussi le faire au sol. Au sol, par exemple, sur tes carreaux de carrelage, là, tu vois, tu en prends deux grands, tu en prends, voilà, tu dessines environ 1 mètre sur 40 cm, voire moins, voire plus, à toi de voir. Et avant de commencer, évidemment, ce step, je vais te montrer un bloc entier aujourd'hui de step sans step, parce qu'il y en a beaucoup qui sont en demande en ce moment. N'oublie pas de télécharger tes 3 chorégraphies gratuites que tu pourras faire, évidemment, sans ton step. Il n'y a pas de souci, donc tu les télécharges, tu envoies ça dans ta boîte mail, c'est gratuit, c'est offert, c'est pour toi et c'est pour vraiment que tu puisses kiffer le step, surtout dans cette période de confinement ou si tu fais du sport depuis chez toi, même normalement, d'habitude. Donc voilà, j'espère que tu vas bien, on lance la musique et on y va pour ce bloc de step. Allez, ça va être assez rapide et tu vas voir, on va bien s'amuser. On marche déjà du pied droit. Alors vu qu'il n'y a pas de step, ça sera un peu moins cardio, mais ça va être bien. Le cardio est quand même. La Zumba, l'aérobic, c'est sans step. Et c'est cardio quand même. Step, step. Avant d'aller entre les élastiques. Alors attention de ne pas prendre des choses glissantes. Très important. Step out. Step out. Ok. Tape en haut. En haut. Si t'as mal aux épaules, on va faire devant. Devant. Les deux. En haut. Et devant. Ça va pour l'échauffement? Très rapide l'échauffement. Marche. Tap, tap. Allez, dans son petit step qui est en fait pas un step. Stop. 4, 3. Genoux. Alterné. Attention de ne pas marcher sur l'extérieur. Sinon tu glisses. Encore une fois, si t'as rien pour dessiner le step, tu fais à la craie, au crayon, ou carrément pas du tout, tu fais sans step, ok? Talon fesses. Talon fesses. Mets bien tout le pied sur le sol du coup. Hein. Là, il n'y a pas de marche, donc encore plus facile. Encore. Talon fesses, genoux. Genoux et talon fesses. C'est tout. Talon fesses. Genou. Genou. Et talons fesses. Encore une dernière fois. Devant. Basique. 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 Ça va pour le basique? Fais-moi un genou. Et d'autres basiques du pied gauche. Donc je suis face à toi, donc on est en miroir. Si je mets mon pied droit, ça veut dire que c'est ton pied gauche. Ok? Dernière fois, un genou, et on y va pour 3 répétitions ici. 3 répétitions. Donc c'est rigolo de faire sans step. Go! Now. Donc c'est un bloc de step débutant, j'avais oublié de dire. C'est du débutant. Genou, tu tapes dans. Le step, sur le step. Peut-être que tu y arriveras mieux sans step finalement. Tap. Tap. Après, si tu trouves une marche, tu peux le faire sur une marche, une caisse à outils qui est assez grande, tant que c'est pas casse-gueule. Je ne tape. D'accord. N'oublie pas de bien bouger les bras. Ok, on va mettre sur le côté, un step, et après on changera directement, c'est bon? Ce qui fait bizarre, c'est de ne pas mettre son pied en hauteur, on est toujours au même niveau. Ok, encore. Donc n'oublie pas, si tu veux plus de cardio, tu peux mettre des sauts. Saute. Saute. C'est bon? Si tu sautes, tu auras plus de cardio. Et tu vas rentabiliser ton sol.
Si tu fais ça, il y a des voisins en bas. Hé, voisin! Fais ça à minuit, hein, pour bien les embêter. Sauf si tu les aimes bien. Ok. On change de step ici. Tape sur le côté. Tape sur le côté. Encore. Ah, j'ai bougé mon step. Ok, super. On va rajouter un petit peu. Deux basiques juste après. C'est bon? Deux basiques. N'oublie pas de bien lever les pieds pour pas toucher les élastiques. Deux basiques. Woo! Let's go! Deux basiques. Un step. Deux basiques. Yes! On va ouvrir les basiques, ça va être 2V. 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 Ouvre, ouvre. Ouvre, ouvre. V et V. Le deuxième, on va le bloquer. Ce sera plus rigolo. V et on bloque. Ça rajoute du cardio. Alors, si t'as des problèmes de cheville ou de genou, évite de le faire. Reste en V normal. Un step. Pam pam! Encore. V! Et bloc! Woo! Let's go! V! Et bloc! Cram! V! Et bloc! Alors rajoute un petit peu. Let's go! On rajoute la suite. The next part, baby, yeah! Bloc! 4 basiques. Je suis obligé de bien lever parce qu'avec mes grands pieds, je suis obligé de lever. Un step. V. Et on bloque. Yes! 4 basiques. 5, 6, 7. Go! Pam pam! Un basique et un genou. Un basique et un genou. Good! Ça, c'est la dernière partie. V. Bloc. Basique, genou. Ok, go, go. On s'arrête pas. Ça va le cardio? Ça commence à monter? Du verbe monter. Basic. Genou. Alors plus la courée avance et plus je dis des bêtises, c'est normal. Okay. Le step a le même effet que l'alcool. Mais en mieux. En plus, ça donne des tablettes de chocolat. Par contre, je peux pas parler, faire le step en même temps, t'as vu? C'est bon. Ok. On remplace les basiques. Let's go! Bloc. On court. Court, court, genou. Court, court, genou. C'est plus cardio le court-court. Hein. V-step. Qui en fait V-sol. Court. Genou. Court, genou. Allez, dernière fois. La der, des der. Let's go. V. Bloc, court, genou, court, genou, pied gauche, step, step by step, et bien la musique pour ça, court, court, genou, court, court, genou, allez tout seul, toute seule, je te dis plus rien. Dernier pas, 4, 3, 2, 1.
Ok. Ouh, yes baby, yeah. Bon, ça t'a plu ou pas? Avec ce fabuleux step, merci les élastiques. Encore une fois, si t'as pas envie de mettre des choses casse-gueule, parce que toi t'es débutant en step, tu vires les élastiques, tu prends un mètre, là tac, tu dessines, ou tu prends une craie, un truc que tu peux mettre au sol, voilà, et tu peux le faire, comme ça au moins c'est pas casse-gueule. Par contre, mets tes chaussures, le fais pas en chaussettes si c'est un carrelage glissant comme ici, d'accord? Mets des chaussures. Et puis évidemment, si t'as un step, tu peux aussi faire cette corée avec ton step. Ok, encore une fois, ça sera un peu moins cardio, mais regarde, ça ne m'a pas empêché eh bien, de transpirer et de faire travailler mon cardio, mon cœur. Ok? Merci d'avoir suivi ce cours. Alors, si toi, tu n'as pas de step, c'est pas grave. Tu peux faire d'autres chorégraphies de ma chaîne YouTube. Il n'y a aucun problème. Et si tu as un step, tu peux aussi les faire. J'ai fait encore plein d'autres chorégraphies. Il y en a plus de 100 chorégraphies sur Stepmaster. La meilleure plateforme francophone dédiée au step. Voilà. Là, je me suis donné à fond. Et là, avant ça, je me suis donné sur un cours Stepmaster. Tu as aussi de la LIA. Tu as des cours de e-learning pour apprendre le step. Et tu as aussi des cours pour les coachs sportifs. Donc, si tu n'es pas abonné encore à Stepmaster et que tu aimes cette chaîne YouTube, que tu viens de te remettre au step, alors que ça faisait 10 ans ou 15 ans que tu n'avais pas fait de sport, si toi, tu es dans cette catégorie, tu veux perdre du poids, si tu as envie de te remettre et dynamique comme avant, jette-toi sur Stepmaster, c'est la plateforme qu'il te faut. C'est vraiment la plateforme qu'il te faut. Si tu as vraiment kiffé ces cours d'apprendre le step, tu vas kiffer 1000 fois plus la plateforme Stepmaster pour évidemment un prix qui est ridicule. Mais je fais vraiment ça pour transmettre ma passion du step et c'est mon métier. Donc merci, en tout cas si tu es déjà abonné à Stepmaster, kiffe ça et va t'abonner si ce n'est pas encore fait. En tout cas, voilà, ce step, je t'ai montré comment on fait sans step. Donc, tu n'auras plus aucune excuse. Si tu veux faire du step à la maison, tu as juste besoin d'un tout petit espace, faire ce cours et faire d'autres cours, intermédiaires, avancés, voilà. Mais en tout cas, la sécurité avant tout. N'oublie pas les conseils que je t'ai donnés en début de cours et maintenant. Voilà, merci à toi d'avoir suivi ce step. Et like cette vidéo, abonne-toi. Tu sais les trucs à la fin des vidéos que je dis. Hein. Like cette vidéo, tu mets un pouce, tu cliques sur le pouce, là, tac, ça fait un like. Et tu t'abonnes à la chaîne YouTube. C'est en bas de la vidéo. Et puis, merci d'avoir suivi. Encore une fois, bois un petit coup. J'ai bien transpiré, t'as vu? Et je te rejoins sur Apprendre le Step, Stepmaster, bref, là où on va se revoir. Merci à toi, je te dis à très vite.